Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série découverte sur TA2 The Shatwing, qui est donc la suite de TA1, bien sûr le bien nommé. Un jeu qui est encore en Early Access, hein, qui n'est pas sorti officiellement, mais qui vient juste de passer en Early Access après la bêta. J'ai participé à la bêta et donc du coup, je vous fais une petite découverte de ce jeu. Et on va également parler, comme vous l'aurez vu sur la vignette, de la traduction. Car le jeu est actuellement uniquement disponible en anglais. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai une version française. Et oui, parce que avec Damned, que vous connaissez si vous suivez ma chaîne, et plusieurs autres français, on est en train de monter une équipe de traduction pour TA. Donc on a déjà traduit une partie du contenu de la bêta. On est en train d'attaquer le contenu de l'Early Access. Et du coup, je profite de cette vidéo pour vous présenter un peu le projet et appeler éventuellement aux bonnes volontés si vous êtes intéressé pour travailler sur la traduction, que ce soit pour traduire de l'anglais au français ou pour relire la traduction après pour corriger les éventuelles fautes d'orthographe, etc. Vous êtes les bienvenus. Je mettrai dans la description le lien du Discord de TA2, hein, tout simplement, sur lequel on a un chan dédié pour la translation FR. Vous pourrez me contacter moi ou Damned directement si vous le souhaitez pour savoir si ça vous intéresse, avoir des informations. Pas forcément pour participer, hein, vous pouvez demander des informations sur comment ça se passe, le jeu, etc. Techniquement, pour l'instant, le jeu ne propose pas de choisir la langue, c'est pas prévu, parce qu'il n'y a que nous en translation FR qui travaillons dessus, il n'y a pas d'autres équipes, d'autres langues qui travaillent dessus. Donc il faut aller changer les fichiers à la main, etc. Mais on est en train de préparer, pour ceux qui bénéficient de l'Early Access, un petit tutoriel avec un zip qui suffira de coller, etc., qu'on mettra à jour régulièrement avec les dernières traductions. Ça devrait être assez sympa et permettre de participer ne serait-ce qu'en jouant et en nous remontant d'éventuels problèmes que vous verrez apparaître. Donc voilà pour la petite présentation. Si jamais ça vous intéresse de participer à ce projet, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à nous faire signe. Si jamais vous souhaitez tout simplement jouer ou voir à quoi ressemble le jeu, et on va attaquer ça tout de suite. Alors, je crois que la musique est un petit peu forte. Elle est vraiment somptueuse la bande son, mais on va baisser un peu quand même. On va donc lancer une partie solo. Et c'est parti. Je vous ferai grâce du tutoriel, hein, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. De base, on débloque, quand on démarre le jeu, deux dieux. On a le choix entre deux dieux, donc on les bloque aléatoirement. Si vous chargez vous votre partie, vous aurez peut-être passé de là. Ils ont donc bien sûr des caractéristiques différentes, des forces différentes, ils vont améliorer votre peuple de manière différente. On va voir après quel est le concept du jeu. Si vous avez jamais joué à TA, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça se passe. Si vous avez déjà joué au 1, les concepts sont relativement similaires, mais ils ont amélioré énormément de trucs et c'est vraiment très cool. Donc moi, j'ai commencé avec les deux premiers dieux, voilà, c'est une coïncidence, mais c'est pas plus mal. On a donc Dievana, qui est plutôt la déesse de la terre-mère, déesse de la nature. Et j'ai débloqué également Ors, qui est plutôt, lui, pour le coup, le dieu des ténèbres, de la nuit, etc., des animaux sauvages, ce genre de choses. Donc les petites descriptions sont traduites pour le coup, hein. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez les lire. Ici pour la démonstration, on va prendre, je pense, Ors, parce que je trouve son skin assez sympathique. Un peu moins standard, on va dire, que l'autre. On voit qu'il a des emplacements de cartes de divinité, on va voir ce que ça donne après. Donc, quand on le sélectionne, on a donc, voilà, on va pouvoir assigner des traits à notre dieu. Pour le personnaliser en fait, donc ça va permettre de la rejouabilité déjà parce que toutes les parties vont être différentes, et en plus quand vous terminez des parties ou plus vous allez loin avant de crever, vous débloquez des points avec la divinité que vous jouez, et ces points vous permettent de débloquer d'autres compétences plus puissantes qui vont éventuellement vous permettre d'aller plus loin, et en outre ça vous permettra aussi de débloquer des nouveaux dieux. Donc c'est un jeu qui est vraiment fait pour
favoriser l'évolution, c'est-à-dire que si vous crevez, c'est pas grave, bah, ça va vous débloquer quand même des trucs qui vont vous permettre de recommencer de manière un peu plus simple, etc., en débloquant des nouvelles compétences, ce genre de choses. Donc tous les dieux ont trois traits lambda. Je sais plus comment ça s'appelle, voilà, c'est de base. Donc tous les trucs sont voilà, basic supply, bouclier de base, etc. Et après, ils ont des domaines qui vont dépendre de leur type. Donc là, on a le dieu nocturne, donc il a un truc de prédateur nocturne, un truc de la nature et un truc plus ou moins de la magie noire, visiblement. Ça s'appelait comment? Domaine de magie, domaine de nature, domaine de prédateur et trois domaines neutres, voilà, c'est ça. Donc du coup, de base, on commence avec ces cartes-là. Donc là, vous voyez que j'avais déjà choisi des cartes, mais je vais lancer une partie juste pour faire les réglages. Ça m'a gardé mes settings. Donc j'ai choisi Nocturnal Predator, qui est la seule que j'ai pour l'instant, qui est le seul trait nocturne que j'ai, qui fait que mon personnage, enfin mes personnages, sont plus forts la nuit, mais moins forts la journée. Je pourrais complètement décider, je crois, de ne pas en prendre. Ah non, il a. Non, pas. Pardon. Misclick. Il a Nocturnal Predator de base, oui, c'est pas une carte qu'on peut changer, c'est son trait de base. Par contre, je peux complètement changer cela, voilà. Vous voyez, je peux les enlever, en prendre un autre. Donc par exemple, là, en nature, je peux tout à fait choisir soit d'avoir un chasseur supplémentaire, donc je commence avec un chasseur supplémentaire, soit je commence avec un enfant supplémentaire, enfin deux enfants supplémentaires d'ailleurs. Alors on va prendre les enfants, ça permettra de voir un petit peu comment ça se passe les enfants. J'ai également que un seul trait actuellement disponible de magie, donc ça me permet de commencer avec un scavenger. Et j'ai trois traits neutres, mais j'en ai que deux. Donc j'ai le garde-manger de mémé qui permet de commencer avec un stock de nourriture et un équipement de base qui fait que je commence avec une arme de base et une armure de base. Donc vous voyez que tous les trucs après peuvent être débloqués, il y a un petit nombre de points en dessous. Pour l'instant j'ai que 2 points, je peux rien débloquer, mais je pourrais éventuellement débloquer des trucs plus tard, quoi. Il y a des choses qui sont très puissantes, on va 20 points pour débloquer ça. On imagine que le Zerka, c'est pas le mec de merde, quoi. Donc ici on voit qu'on va avoir 5 personnes, hein, puisqu'on a 2 enfants, et on est parti. Alors, cette interface va nous permettre de choisir notre personnage principal. Donc en fait, le personnage principal, tout simplement, il va jouer dans la quête principale de TA2, parce que comme dans le 1, c'est un jeu bac à sable, mais il y a quand même un fil directeur, une quête. Et du coup, il y en a un qu'on peut choisir, on peut dire voilà, parmi nos 5 personnages, c'est celui-là le mec principal, on peut lui donner un nom, c'est le seul qu'on peut nommer au début. On peut également choisir un peu son skin. Donc là on a le scavenger, donc le pillard, hein, qui sont tous des bonnes têtes de vainqueur. C'est abandonné des dieux et devenu fou, ils sont prêts à tout pour survivre. On a aussi un guerrier avec lui. Les dessins sont vraiment vraiment sympas. Et puis bien sûr bah, on a nos deux enfants, plus on avait apparemment un enfant de base. Donc on peut choisir des filles, hein, toujours pareil, ou des garçons. On va prendre une guerrière, tiens, pourquoi pas. Ou alors une pillarde. Ah ouais, les pillardes, elles ont des bonnes têtes aussi, hein, la vache. Ou alors je prends un enfant comme personnage principal, je sais pas ce que ça fait. Bon, on va prendre. Allez, on va prendre un enfant. On va l'appeler le signe noir, bien sûr. Mais on est parti, on va pas passer non plus 100 ans sur le sujet. Donc, c'est l'élu de la divinité. Et on est parti. Il y a encore des petits bugs dans les textes, il manque le A avec accent circonflexe, comme c'est pas des caractères naturels en anglais, on leur demande de les rajouter également. Les devs sont vraiment très sympas sur ce jeu, c'est cool. Et on retrouve donc du coup notre petit ami Théodore, ceux qui auront joué au 1 ne seront pas dépaysés, il est toujours là pour nous aider. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, élu. Alors, bienvenue au service des dieux. En tant que croyant moi-même, je serai content d'être votre guide. Donc il nous donne une graine cosmique. Essence de la vie, quantité 10. Ok, très bien. Alors, on peut demander qui il est. Ou alors on s'en fout. Non, on va suivre l'histoire. Alors, il nous dit qu'il s'appelle Théodore, mais que il n'est pas important. Ce qui est important, c'est nous.
Il est ici pour nous donner quelques règles basiques et nous donner quelques objets divins pour nous filer un coup de main. Et on va donc commencer par la graine cosmique. Donc pour l'instant, aucune des quêtes ne sont traduites, tout simplement parce qu'on n'avait pas la possibilité de les traduire en bêta. Donc bah du coup, bah on l'a pas fait. Mais ça y est, avec l'IA, l'Early Access, on peut y accéder, on peut les traduire, et donc du coup, bah on commence doucement à le faire. Alors, Théa est un pays qui est très loin de la prospérité, donc la fameuse obscurité du 1 hein, qui a été battue mais qui n'a pas disparu, qui se prépare toujours à attaquer. Et Théa s'est fragmenté, hein, ce qui a un peu foutu la merde, bien sûr. Alors, quel rapport avec la graine ? Alors, la graine est un cadeau des dieux, une pièce de l'arbre divin lui-même, enfin de l'arbre cosmique lui-même. On peut faire plein de choses, on peut créer des villages, on peut récupérer une protection divine. On peut forger des artefacts divins, on peut même ramener quelqu'un à la vie avec. Donc on peut pas construire, on lui dit on peut pas construire des villages sans graines. En effet, on ne peut pas construire des villages sans graines. Et oui, une nouveauté hein, de celui-là, maintenant on peut faire plusieurs villages a priori. On peut faire plusieurs villages, on va voir ça. Alors, blablabla. Si on n'a pas de graines, on se fait défoncer le village. Puisqu'il attire les saloperies. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit savoir? Il nous dit qu'il va réapparaître de temps en temps pour nous donner des indices et qu'il faut qu'on vérifie nos possessions. Et il nous file un peu de bois, un peu de champignons, un peu d'XP et un peu de points de recherche. Ok, donc du coup, il est temps de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà l'interface. Qu'est-ce que c'était Théa? Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui se joue en hexagone, hein, à la civilisation, à la Endless Legend. C'est cependant assez différent de Civilization et de Endless Legend dans le sens où on est plus sur un RPG que sur un jeu de stratégie, quoi. C'est-à-dire que là on a notre petit groupe qui est représenté ici et il va pouvoir camper, ramasser des ressources, faire divers trucs à droite à gauche et établir un village, voire plusieurs villages pour essayer de résoudre le problème de Théa, quoi. De Théa, le monde de Théa qui a été fragmenté. Donc on va pas conquérir d'autres personnes sur la diplomatie, etc. On est vraiment sur un jeu RPG. On va regarder du coup un petit peu à quoi ressemble notre groupe. Donc pour l'instant on n'a pas de village, on peut donc regarder la nourriture. Donc on a divers légumes, on a du bois également. Donc il est important d'avoir toujours de quoi manger et de quoi allumer des feux. Sinon bah, vos personnages vont être fatigués, ils vont plus regagner de vie, ils vont être dans le mal. Plus vous avez de diversité dans votre nourriture, plus ça vous donne des bonus. Et également, plus vos personnages vont être contents. C'est-à-dire que plus ils ont une qualité de vie, ce qu'ils appellent une qualité de vie élevée, plus ils ont envie de rester avec vous, ils ont des bonus, etc. Si jamais ils dorment pas bien, si jamais ils ont bouffe de la merde, etc. Ils peuvent suffisamment être tristes pour carrément se barrer du camp, quoi. Donc pour l'instant on voit qu'on a plus 1 en shielding, donc en protection, grâce à notre bonus de nourriture, ce qui est pas mal. On peut tout à fait décocher des trucs, hein, si on veut interdire certaines nourritures, par exemple pour pouvoir garder des matières premières, on peut. Ici on a notre inventaire, donc nos personnages font partie de l'inventaire, hein, puisqu'on peut complètement les bouger pour recréer des nouveaux groupes. On a donc une guerrière, on a notre pillarde ici, on a nos enfants. Bon, ça doit être une enfance, hein. Ah ouais non, la pillarde elle est là, ou le pillard d'ailleurs. Et ça doit être la guerrière, voilà les symboles. Ok, donc du coup on a bien nos trois enfants, on a ce qu'on a vu comme nourriture, et on a quoi? Un parchemin de cuir. Ok, donc ça c'est l'arme qu'on a eu grâce à notre compétence de dieu qu'on a pris, c'est l'équipement supplémentaire. On va immédiatement aller voir ça. Dans la petite case d'équipement. Donc du coup, notre guerrière a un marteau de guerre en ambre à deux mains. Je pense que c'est mieux que ça. Ouais, voilà, ça fait 7 de dégâts alors que le truc est plutôt... Ça c'est plutôt de la magie, bien sûr.
On a une enfant qui se bat avec un gourdin d'ambre. Car oui, pourquoi pas, les enfants peuvent totalement se battre hein, pour aider. On a ici des javelots d'os. Ok, très bien. Alors lui n'a rien, il a un bijou en fer, donc on pourra peut-être lui filer le truc. Et on a elle qui a une baguette d'os, donc lui on va en faire notre mage pour l'instant, s'il peut le prendre. Oui, il peut le prendre. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir, hein, chaque arme ou objet divers, variés, équipements et autres, a des compétences. Donc là par exemple on voit que il a été fait avec du cuir et un os. Je crois qu'il y a moyen de voir les détails, je ne sais plus comment. On voit qu'il a été fait avec du cuir et un os, on voit que c'est une arme, et on voit qu'il donne la compétence invoquer un mort-vivant et une explosion au hasard. Qui peut, ça clignote, hein, on voit qu'il peut infliger divers types de dégâts, soit à nous, soit aux alliés, ça passe en rouge, en vert, etc. Et c'est ça pour un peu tout, c'est-à-dire que ici on voit que lui, il a juste, ça fait juste une attaque standard, arme d'attaque. Le marteau c'est également une arme d'attaque, hein, ça aussi j'imagine, peut-être la baguette a des pouvoirs un peu plus particuliers. Non, c'est aussi une arme d'attaque. Mais par contre, elle fait des dégâts spirituels en plus des dégâts physiques. Dans ce jeu, on a toujours trois types de jauge de vie, entre guillemets. Donc on a la santé classique, la santé mentale et la foi. Et ces trois trucs là vont nous permettre de faire différents défis, donc tous les différents combats en fait, hein, où certaines compétences vont jouer. Ce qui fait que par exemple, hein, le guerrier va nous apporter une des grosses compétences si on fait un défi physique. Par contre, si on fait un défi spirituel, bah ça va être une tanche quoi. Donc c'est à ça que vont servir ces différentes jauges. On voit qu'on a également tout plein de compétences qui sont liées, hein. Les couleurs sont liées, c'est assez simple, hein. Si c'est rouge, c'est du physique, si c'est jaune, c'est de la santé mentale, et si c'est violet, c'est de la foi. Donc les compétences vont bien sûr jouer sur ce qu'on peut faire avec. On voit que même les enfants ont déjà un petit peu de différence, c'est plutôt cool. Lui il a de la perception, j'imagine que c'est bien avec des javelots. On a du coup beaucoup plus de compétences à ce niveau-là, hein, que sur le 1, c'est assez cool. On peut également voir les différentes choses qu'on pourra utiliser en combat. Donc là on voit qu'on a un prédateur nocturne grâce à notre dieu, on voit qu'on a un moral de merde. Si ça tombe à 0, ils peuvent quitter le groupe. On voit qu'elle a une compétence Battle Orders qui vient d'elle-même. Attaque contondante, donc ça c'est foutre un coup de poing, hein, standard. Et grâce à l'équipement, bah on a moyen d'attaquer avec notre arme. On n'a pas d'étiquette et on peut écrire des notes. Donc normalement voilà, on pourra renommer les joueurs, donc ça c'est assez intéressant. Toujours intéressant dans ce genre de jeu de pouvoir renommer ses personnages. Au niveau des compétences, on a fait un petit peu le tour de l'interface en haut. On va détailler un petit peu plus maintenant qu'on a vu les concepts de base. On a bien sûr le niveau, on a la classe. Il y a pas mal de classes différentes, ça c'est plutôt cool. On a donc le fameux moral. On voit qu'on a 10 parce qu'on a aucun multiplicateur et que bon, c'est pas ouf. On a la vitesse de déplacement, on a l'astuce, donc ça c'est un peu comme l'initiative, mais ça fait pas que ça, donc du coup c'est de l'astuce. Ça permet de définir à quelle rapidité on va jouer pendant un défi, entre autres. Et le délai, ça va nous permettre du coup de... c'est lié à l'astuce, ça va nous permettre de savoir l'ordre d'action. Vous verrez pendant les combats, on verra comment ça se passe, l'astuce et le délai. C'est deux choses liées mais différentes, vous verrez. Il y a par rapport au 1, pour ceux qui ont joué au 1, les défis ont été quand même vachement améliorés, ils ont été beaucoup plus loin. On a toujours la faculté de récolter, donc pour ramasser des ressources, on a la faculté de fabriquer des choses, on a la faculté de faire des recherches, car les personnages maintenant peuvent fabriquer de la recherche également. On peut faire des rituels et on a la chance. On a donc le sexe classique et on a la charge. Donc tous les personnages ont un encombrement personnel et ils participent également à l'encombrement général du groupe. Donc ça reste assez classique dans les RPG. Hein. Si on est au-dessus du maximum, bah ça fout la merde bien sûr.
Donc on voit que elle, j'imagine, va être plus forte en foi et en santé mentale, ouais. Ouais, c'est pas ouf non plus, mais elle est quand même plus douée en rituel et en recherche que le guerrier. Les enfants, bah c'est des enfants, hein, donc on va pas non plus leur en demander trop. Donc on va faire le tour de l'interface pour l'instant, puisque les autres menus sont pour l'instant bloqués, parce qu'on n'est pas en ville, et qu'on ne campe pas. On a un personnage encombré, tiens donc. Qui est-ce? Lui non. Ah, ouais bah c'est lui. Je vais filer le parchemin, du coup il est encombré. On va lui enlever le bijou. Et on va le filer à elle, allez. Hop là. Est-ce que je peux peut-être le donner à un autre enfant? Ça pèse combien ce machin? 66 quand même, hein. Ouais, non. Il y a personne qui peut le porter. Il y a que les adultes qui peuvent le porter. Je préfère que le gamin il ait une meilleure arme pour aider, quoi. Ok, on ferme. Donc du coup, on a les raccourcis pour aller directement à l'équipement ou à l'inventaire si on veut. On peut parcourir nos différents groupes, pour l'instant on n'en a pas d'autres. On peut voir les ressources, donc là pour l'instant la seule ressource qu'on a c'est du poisson et c'est pas ouf quoi. Comme dans la plupart des jeux de ce genre, là où vous choisirez de poser votre ville, il vaut mieux qu'il y ait des ressources qui soient visibles, hein. Si vous choisissez de poser votre ville en plein désert, vous allez galérer. À peu près logiquement. On a le système de recherche qui est toujours là, donc avec pas mal de choses, hein. On a différents axes. De base, on a les ressources standards à débloquer, donc le bois, la pierre, le fer, le cuir, les ossements et l'ambre. Et après, on a moyen de se spécialiser dans certains trucs, sachant qu'à chaque fois qu'on va débloquer une ressource, on gagne le droit de la récolter en fait. Donc on voit par exemple que l'argent va nous permettre de repousser des démons de la nuit et des loups-garous plus facilement. Et qu'il faut ça pour la débloquer, quoi. On a différents arcs, hein, donc ça c'est les ressources. On a bien sûr l'équipement, donc on peut débloquer des recettes d'armes à distance, des anneaux, des boucliers, des armures, enfin il y a pas mal de choses. Et également bâtiment et rituel. Donc pour l'instant ça il n'y en a pas encore des masses parce que c'est l'early access et je pense qu'il faut. Voilà, on peut scroller. Donc je pense qu'il faut qu'on les débloque. Si je débloque ça par exemple, ça va probablement débloquer d'autres trucs autour. On va attendre avant d'acheter, voir si on trouve des choses intéressantes. On va commencer à se déplacer. Ok. Donc là on voit qu'il y a des lieux intéressants, ici on voit qu'il y a de la fourrure mais qu'on peut pas la ramasser, et ici on voit qu'on a du cuir. Donc c'est pourquoi pas, on va aller faire un petit tour par là, ici il y a du poisson, ici il y a des araignées, et ici il y a de l'herbe. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur ce truc là. Alors, donc c'est une aventure, des ruines, on va essayer de regarder un peu ce qui se passe. Et donc là, on a réussi apparemment à explorer avant d'y aller. On a donc des morts-vivants qui exudent une poussière toxique. Donc on peut essayer de passer à côté d'eux et de looter les ruines. On peut essayer d'utiliser des mondes surprises et d'attaquer. Ou on peut essayer de réfléchir à un plan pour les défaire. Vous voyez les différentes couleurs là, hein, qui jouent un peu sur les compétences. On va essayer de la jouer subtile. On fait donc un défi mental du coup. Donc on va se battre contre un cerveau, une loupe et un parchemin. Ce qui va nous permettre de voir un petit peu le combat. Alors, comment ça se passe le combat? Donc on joue toujours des cartes, ça n'a pas changé par rapport au 1. Mais maintenant ce qui se passe c'est qu'on a des tours avec des points pour jouer. Donc c'est là que l'astuce va jouer. Vous voyez qu'ici ça coûte 2. On a 2 points d'astuce ce tour là. Des fois on va commencer, des fois l'adversaire va commencer, ça dépend. Ici il a commencé, il a eu 1 point d'astuce au tour 0. Donc il a pu poser son cerveau qui coûtait 1 point d'astuce. Nous au tour 1, on a 2 points d'astuce qui sont ici et qu'on peut dépenser pour jouer nos compétences. Par exemple, si je prends le guerrier là, on voit qu'il coûte un seul point d'astuce à jouer, pas un point d'action. Et il a une compétence
pour protéger les autres et une compétence pour taper. Donc là vous voyez que c'est un défi qui n'est pas physique, donc il peut pas utiliser son marteau. Par contre il peut quand même utiliser son truc pour protéger, ça c'est cool. Ici on a elle qui peut juste taper, à 2 en plus c'est pas ouf. On a elle qui peut faire des trucs, la marque du chasseur. Augmente le délai d'action de la cible et elle peut faire pas mal de trucs, donc c'est pas mal. En plus nos personnages sont assez peu chers. En fait, on va voir, mais on peut jouer les personnages plusieurs fois et plus on va les jouer, plus ils vont coûter cher. Alors, lui il fait que 1 point de dégâts, c'est pas ouf. On va prendre elle. On va la mettre en face pour qu'elle encaisse les coups. On voit qu'elle va cibler ce personnage là et que ce personnage là va être ciblé. Si je les sélectionne, on voit qui vont attaquer. De base sur les côtés, enfin en face, après sur les côtés, etc. On voit ici sur la carte, le petit bouclier est en dessous 21. Le petit bouclier va représenter la défense de notre personnage et le 21 c'est point de vie. Tant qu'on tape dans la défense, on perd pas de point de vie. Une fois que les points de vie sont attaqués, on peut être blessé même si on arrive à terminer le combat en vie. Si les points de vie tombent à zéro, bah ça pue quoi. Donc du coup on va essayer de la protéger. Hop là. Donc ah, on peut protéger deux personnes avec cette compétence, j'ai pas fait attention. Ah oui, un à deux alliés, d'accord. Bah, donc du coup on va peut-être en poser un autre. Lui, on va le foutre. On est obligé de le foutre devant, malheureusement. Donc là, on a utilisé nos deux points d'action, hein, vous voyez. Donc maintenant, tous nos personnages sont en rouge. Et les deux qu'on a joués sont passés à 2 pour le point d'action. On va donc terminer le tour. Tour adverse. Alors, il a joué. Il me semblait que je pouvais voir, mais je me souviens plus de la touche pour voir ce que ça donne. Bon, je sais pas si on a le niveau pour ce défi. On va jouer elle. On va essayer de protéger ces deux-là, du coup. Hop là. Donc on rajoute un petit peu de bouclier, voilà. C'est toujours ça de pris. Ils font mal, hein. Elle empoisonne en plus. Dégâts normaux. Cible attaque à distance. Cible un ennemi ou plus n'importe où sur le champ de bataille au choix de l'attaquant, en plus il peut choisir sa cible avec lui. C'est un peu le drame. Alors, elle c'est quoi son pouvoir? On va mettre une marque de chasseur sur le cerveau. Ah, ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chose malheureusement, donc fin du tour. Donc à tout moment on peut décider de ne rien faire. Hein. Donc là vous voyez qu'il a joué un nouveau cerveau, mais en fait c'est le même qu'avant. On voit qu'ici là, il y a un petit symbole copie. C'est-à-dire qu'en fait elle a posé deux cerveaux, donc il va pouvoir attaquer deux fois, ça lui a coûté des points d'action hein, bien sûr. Mais sauf que si on lui applique une condition ou des dégâts ou quoi que ce soit à l'un des deux, bah les deux vont prendre, puisque techniquement c'est la même personne. Donc nous on a complètement la possibilité par exemple de repayer deux là pour reprotéger nos deux personnages les plus costauds. Hop. Par exemple. Hein. Qui repose une loupe. Ah et on a plus qu'un seul point, merde, j'avais pas percuté. Non bah j'ai pas trop envie de la mettre elle parce qu'elle va se prendre une tatane ou qu'on la mette et elle va crever tout de suite. Donc du coup tant pis, on va faire la phase de combat. Donc, comme ils disent hein, les points d'action non dépensés seront portés à la phase de préparation suivante. Si jamais il y en a une, bien sûr. Donc, ensuite on a deux phases de fight. Où ici se va jouer. Donc là je ne l'ai pas dit mais c'est ici qu'on voit le délai en fait. Donc là vous voyez, on fait des dégâts aux deux, puisque réellement c'est la même personne. Quand ils ont déjà défoncé mes boucliers, voilà on commence à prendre des dégâts. Waouh, ça pique. Pique ça pique. Deuxième phase. Donc on réattaque. On fait que deux, hein. C'est vraiment pas ouf hein, par rapport aux quatre en face. Visiblement...
trouver un plan pour les contourner était trop difficile pour notre niveau. Ok, donc elle c'est fini. Et on est reparti, donc on va devoir faire avec ce qui nous reste. On va peut-être se replier. Ouais, on va essayer de se replier. Et donc du coup on est repéré hein, bien sûr. Puisqu'on a échoué le défi, il nous voit et on est obligé de s'enfuir. On a quand même gagné un peu de recherche et quelques points d'expérience, c'est pas grave, donc l'événement est terminé. Est-ce qu'on est blessé du coup? Ou est-ce que c'était juste un défi Non, ça va, on n'est pas. On n'a pas eu de dégâts particuliers, c'était pas des dégâts physiques et on n'a pas de dégâts mentaux. A priori. Bon, du coup, ici on a du cuir, ici on a de nouveau du poisson, ici on a des herbes. C'est clair que c'est pas dingue. Ah, ici on a de la nourriture, c'est peut-être un peu plus intéressant. Donc là, on a terminé notre, notre mouvement, on ne peut rien faire d'autre. On va donc passer le tour pour voir un peu comment ça se passe un tour. Donc là, on a les monstres qui se baladent, ils nous attaquent pas. Et on a la quête qui se lance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors que le soleil se lève, vous sentez sa chaleur sur votre peau et vous récupérez de la force. Oui, non, pardon. Et on se réjouit du fait que la lumière gagne de la force sur la darkness, sur l'obscurité. Mais on commence à se sentir un petit peu mal à l'aise. Parce que la chaleur est un petit peu trop oppressante. Alors, on peut jouer sur notre intellect de la nature. Ok, donc là on dit, bon bah voilà, il se passe des trucs anormaux, c'est normal sur Théa, c'est la vie, on doit pas paniquer, on essaie de se barrer tranquillement. Ou alors on dit, la lumière est en train de nous brûler vif. On essaie de trouver la source pour voir si on peut là s'en débarrasser. Non, on va essayer de jouer intelligemment. Je sais pas quel est le chiffre à côté. Ça a dû être dit dans un tuto, mais je l'ai oublié. Alors, est-ce que, alors qu'on est lentement en train d'essayer de s'en aller, on se rend compte que les rayons du soleil sont pleins de créatures bizarres. Effectivement. Ils essayent de nous attraper avec leurs tentacules et en fait c'est eux qui nous brûlent. Alors. Donc on est resté du neutre face à l'attaque, ce qui nous donne la possibilité d'avoir un esprit plus clair pour résister. Je sais pas si le 2 ça veut dire qu'on a plus de chance ou si c'est ça veut dire que c'est plus difficile. On va tenter. On a donc un nouveau petit combat. Et donc comme c'est un défi différent, vous allez voir les compétences vont être différentes normalement. Donc là maintenant, elle, dans un défi physique, on voit qu'elle tape à 5 quoi, ça déconne pas. Par contre en face on a quand même un truc qui tape à 16 et qui fait 32 dégâts. Enfin qui a 30 PV hein, donc c'est. C'est quand même un peu le drame, les gens qu'on a en face dès le début là. Du coup, bah on va taper, hein. J'ai envie de tir. Ah, il fait que 1 de dégâts. Par contre, ici, on peut se mettre à distance, on va le faire. Alors ça c'est javelot. Je sais pas ce que c'est, on dirait un gros caillou, un truc du style. On va rejouer elle, mais cette fois pour se protéger. Alors non, ce qu'on va faire avant, c'est on va remettre un enfant à l'arrière. Elle fait que 1, voilà, c'est le drame. On va la mettre là. Et après on se servira du guerrier pour protéger. Mais il vaut mieux qu'on les joue assez vite si on veut pouvoir. Si on veut qu'ils soient tôt en fait dans la ligne d'action tout simplement.
Alors, si je le joue maintenant, ouais, j'ai pas le choix, faut que je le joue maintenant parce que là je vais avoir 2 points. Et après j'aurai plus qu'un seul point. Donc ouais, on va jouer maintenant. Hop. On va mettre un petit peu de bouclier. C'est toujours ça de pris. Il a rejoué son sablier ici là. Et du coup, il n'y a plus que elle qu'on peut jouer, donc on va essayer de diminuer les caractéristiques de celui-là. Ouais, c'est pas ouf. Résolution du conflit. L'enfant fait mal, putain la vache, en un coup il nous a tellement défoncé quoi. Pouah. Vous remarquerez que visiblement j'ai pas le niveau hein. Je me fais littéralement défoncer. Donc prendre deux enfants c'est peut-être pas le bon plan hein. Faut peut-être mieux prendre un personnage supplémentaire. Parce que là la vache quoi. Bon après Théa a toujours été un jeu très difficile hein. Ok, ça va être vite fini, voilà. Donc il nous reste plus que elle. Coucou copine, bah écoute, go. Bah essaye de diminuer sa compétence. Hein. Après on aura 3 trucs, on va pouvoir la reposer. Il pose même pas ses autres cartes, tellement il est serein quoi. Ouais si, voilà. Et on peut plus rien faire avec un seul point d'action. Donc de toute façon il va attaquer en premier, voilà, il va me définir. Ok, donc du coup on est blessé, donc les forces de la lumière sont trop difficiles pour résister. Donc ils essaient de nous, enfin c'est pas qu'ils essaient d'ailleurs, hein, on sent leurs tentacules traverser notre corps, notre esprit. Ils essaient de faire qu'on soit unis à la lumière, on arrive à se libérer. Et on a quand même plutôt souffert, mais on s'en est tiré. Ok, donc Théodore qui se repop là. Donc il va nous apprendre comment fonctionne les ressources. Mais on va arrêter cet épisode là, la présentation je pense est suffisante pour que vous ayez un petit peu une idée de à quoi ressemble le jeu. Du coup, deux choses avant de terminer. D'abord, si vous voulez participer à la traduction, que ce soit en l'attestant et en remontant des trucs, en relisant, en traduisant vraiment les termes, etc. Tout est des bonnes à prendre. N'hésitez pas à me faire signe sur Discord, le lien sera dans la description. Si vous souhaitez que je fasse un let's play complet sur le jeu, en jouant un peu plus sérieusement qu'en cliquant n'importe où et en attaquant des trucs au pif, hein, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je vais sans doute pas mal jouer à ce jeu, mais si vous souhaitez qu'on y joue ensemble, que je renomme les personnages, etc. selon vos noms, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire que vous en voulez plus. Et du coup, eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.